Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Two Point Hospital. Alors aujourd'hui on va aller à Mitton University, abrite certains des plus grands esprits de Two Point comme tu es, il y a quelques courants d'air, mais c'est l'endroit idéal pour développer de nouvelles technologies. Mitton University, hôpital universitaire et de recherche. Ok, c'est parti, on va voir ce que ça va donner, on va voir si c'est intéressant. Donc on va essayer de au moins avoir une étoile ici. Alors, le vice-chandelier de la Mitton University a été impressionné par nos progrès. Nous avons été invités à établir l'hôpital universitaire et de recherche de la Mitton University. C'est une occasion en or pour nous. Nous pouvons ouvrir un département de recherche et développement et développer de nouvelles technologies. Nous pourrons y recruter que des étudiants en médecine et en soins infirmiers. Alors nous devons les former. La Mitton University nous procurera des fonds pour chaque personne formée et chaque projet de recherche terminé. Tout d'abord, nous devons cependant obtenir une licence de recherche. Le ministère nous en accordera une si nous arrivons à démontrer nos capacités techniques en utilisant un hôpital doté de machines améliorées. Ok, bah écoutez, c'est parti. Hein. Hôpital niveau 3 et améliorer une machine. Alors, c'est assez petit. Bon, là, on pourra, vous voyez, acheter tout ça ici. Pardon. Ok, bah c'est parti. Alors, réception... Attendez. J'ai jamais fait ça en fait, moi. Ok, on recommence. Réception. Voilà. L'entrée se fera là. L'ordinateur sera ici. Ah, si on peut en mettre un autre. Écoutez. Un petit magnétophone à bande, hein. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais voilà. Ok, la réception, d'accord. Bon, c'est pas très centré, mais c'est pas trop... Est-ce qu'on sait à déplacer? Bon, c'est pas grave. On va se prendre un petit bureau de généraliste. Un petit bureau de... Allez, 4 sur 3. Voilà. On en fera sûrement un deuxième, donc on va faire ici en face une pharmacie. Voilà, on va mettre encore un classeur aussi ici. Super. Et peut-être que... Alors ouais, la salle de repos, c'est vrai qu'on pourrait déjà la mettre. On pourrait la mettre genre... 4 sur 4, c'est pas mal. Écoutez, on va mettre comme ça pour le moment, on va voir ce que ça va donner. On va se mettre... Alors, on va mettre des bancs ici. On va les mettre là-devant parce que comme ça, on va pouvoir... facilement ajouter des salles en plus. Alors... ce que je vais faire, hein. On va mettre ça comme ça pour le moment. Je sais pas si on devra le déplacer, mais on va les mettre quand même. Des petites poubelles ici, voilà. Ok, on va prendre... Maintenant, on va embaucher. Alors, il fallait un assistant. Ici. Ça, c'était un médecin et un infirmier, je crois. Alors non, le docteur... là et l'infirmier on va le mettre voilà ici. Alors peut-être qu'on va devoir rapidement on va peut-être faire une salle de formation parce qu'on va rapidement devoir former hein, nos chers camarades ici. Voilà, je crois que c'est pas mal, déjà 3,
Ça sera pas mal. Écoutez, on va commencer à faire ça pour gagner un peu d'argent. On va embaucher aussi un agent de maintenance. Comme ça. Et on pourrait... Ah, il doit être formé en mécanique. Et j'en ai pas un formé en mécanique ? Si. Bah, je suis désolé, mais je vais l'embaucher. Je me dis, autant faire ça maintenant. Vu qu'on n'a pas encore de personnes, on va gagner quelques jours. Alors. Je suis désolé, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui et ça... Du coup, ça attaque la respiration. Alors, on n'a pas de toilettes. On va peut-être mettre des toilettes. Ouais, donc c'est bien. Parfait. Tenter de... Mais l'un de nos patients devons construire d'autres salles diagnostiques. Attendez. Quoi? C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il a. Il faut une salle de diagnostic. Attendez. Une salle de diagnostic supplémentaire. Faire attendre le patient. Ok. Donc il nous faut une salle de diagnostic. Diagnostic général alors, je suppose. On va mettre ça. On va mettre ça. Voilà, une petite balance mécanique pour dire que... Super, et ici c'était un infirmier, c'était ça? Ouais, un infirmier. Voilà, alors je vais déjà mettre play, comme ça, ça continue. Et on va mettre des bancs pour attendre. Alors par contre, on peut peut-être virer notre autre madame qui n'est pas en forte en mécanique. Le ministère de la Santé nous a fourni une licence de recherche. Nos hôpitaux vont désormais pouvoir rechercher une nouvelle machine, amélioration et plus. Bien, cool ça. Ok, donc ça veut dire que ça se passe plutôt bien. On va devoir lancer... Alors, former un docteur en recherche, terminer le projet de recherche chromothérapie et guérir un patient en chromothérapie. Ok, donc on va se prendre... On va embaucher un médecin. Alors on doit le former en recherche. Eh ben écoute, c'est parti. On va rajouter... On va peut-être rajouter lavabo et sèche-main. Dans un hôpital, c'est peut-être mieux quand même. Hop. Alors, on l'a envoyé à la pharmacie pour... C'est quoi? Chair de poule. D'accord. Ah, c'est bien. Il participe, c'est bien. Bon étudiant. De lui. Et la petite musique avec. Hein. J'espère qu'on va gagner aussi de l'argent, on va voir. Au fur et à mesure, ça va évoluer. Mais je me demande si elle sert encore à quelque chose, quoi. Je crois que je vais la virer. Désolé. Adieu. Ah, ça a pas réussi. Ah bah oui, mais ils sont pas bien formés, donc on n'a pas de... Allez. On a pas le meilleur taux de réussite. Améliorer votre diagno facile. Alors, je veux bien. Mais c'est un peu compliqué. Alors. Nous sommes certains qu'à 88%.
une salle de diagnostic supplémentaire. Mais j'ai une salle de diagnostic. Peut-être que... Attendez, peut-être qu'on peut améliorer... Si on améliore ça, peut-être que ça va, on va trouver quelque chose. Je demande ce que c'est le 200 aidé. C'est son temps d'attente? Ça a l'air en secondes. Mais juste savoir si les 37 secondes que je vais avoir à faire, si ça va aller ou pas. Alors oui, apparemment... Attendez. Hein. Je viens de voir qu'on avait débloqué le chauffage. Est-ce que ça veut dire qu'il faut du chauffage? Est-ce qu'il veut du chauffage chez monsieur? Chauffage... Je l'ai vu, hein. On l'a vu au tout début. Voilà, radiateur. Alors, il nous faut une salle de recherche, je suppose. Ouais. D'accord. Bon, mais deux, ce serait déjà pas mal. On n'a pas besoin de plus, je crois. Chromothérapie. Lancez le projet. Voilà. Pour lancer un projet de recherche, cliquez sur un poste de recherche ou placez un chercheur dans la salle. À l'écran de recherche, vous pouvez choisir un projet à lancer. Voilà. Parfait. Alors, je crois que ça va être limite, hein, ici. On va voir comment ça va se passer. On peut peut-être modifier chaque salle et ajouter un petit radiateur. Alors, ils attendent tous. Ici, c'est assez sale, ça va pas. Ce serait cool que... Sentiment trop froid. Est-ce que j'en ajouterais... Bah oui, je pourrais en ajouter peut-être ici aussi. Ah ok, on a des zones comme ça qui se chauffent. Ils veulent qu'on construise une deuxième salle hors diagnostic, c'est ça, à ce que je comprends. Bon, ben je vais en refaire une, hein. Écoutez. Ouais. Diagnostic général. On va mettre ça ici, hein. Tac. Tac, hop. Un petit classeur comme d'hab. Allez, même deux, même trois, vous savez quoi. Soyons fous. Voilà, et il nous faut un infirmier. Ouais. Embaucher, infirmier. Alors, possiblement, on va devoir en former, peut-être. Pas l'air de vouloir aller là. Bizarre, bizarre, bizarre. Et des fois, c'est pas très bien expliqué. Hein. Voilà, vous saurez peut-être m'aider. Le problème, c'est que le temps que vous m'aidiez, j'aurais fini l'épisode. C'est le problème de pas être en live. Et c'est vrai que je pourrais le faire en live, mais... Les moments où moi je suis en live, où c'est possible plutôt, ça n'irait pas pour vous.
Bon, je ne trouve pas. Je trouve pas ce qu'ils ont besoin en fait ici, vous voyez. I have only one word to say to you today. Trousers, people. Trousers. They ought to be worn at all times. They protect against sunburn and lovely knee syndrome. Take heed. Alors on peut augmenter ça. Est-ce qu'on peut même augmenter celui-là? Non, ça on peut pas encore augmenter. Crise de fièvre nocturne. Ça, le traitement psychiatrie. Alors oui, mais attendez. Attendez. Il faut du coup psychiatrie. Tac, tac. Oui. Alors, on doit embaucher du coup un docteur qui n'est pas encore formé en psychiatrie, donc on doit le former. Alors, il doit être formé en psychiatrie. Et on va le former maintenant. Tac, commencer. What? Ah d'accord, ah oui d'accord. Ah ouais merde, c'est tout des VIP. Oh. Aïe 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 aïe, c'est pas cool ça. Alors j'aurais bien voulu, mais c'est trash ça. Écoutez, on va déjà les faire s'asseoir. Et il faut que je les forme encore. Je crois qu'on va être un peu, ça va être un peu galère, mais ça va aller, hein. Défi du personnel. C'est moi ou Angèle ici, d'accord. Alors, on va le mettre par là, le canapé. Oui, oui, je sais, on va bientôt en avoir un, promis. Alors, ça, je vais modifier la zone et juste faire zoom. Là. Alors on déplace ça là, c'est super. Ah et ça, alors non, voilà, hop, parfait, comme ça on aura encore une salle ici. Alors nos formations, alors on a filmé la formation, donc ça c'est bien. Ils ont besoin de présentoir. On prend un petit présentoir, comme ça ils sont contents, voilà. Super, alors ici j'espère qu'il va aller assez vite, sinon on doit reformer encore quelqu'un, mais je crois qu'on va avoir du mal. J'espère que ça va aller vite quoi. Alors la formation ici avance assez bien. Il y en avait un qui nous a demandé une formation, on l'a plus, non. Ah zut. Est-ce qu'on sait voir ça? Personnel. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors ici, d'accord. Petite pause improvisée, on dirait. Sentiment soif. D'accord. Ah ok, ils sont là. Ok, je crois qu'on va devoir prendre un deuxième psychiatre et en former un deuxième. Alors, ce qu'on peut faire, c'est embaucher docteur, tac, tac, et lui dire, je veux te former en psychiatrie. On prend
lui, hein, comme ça, on n'arrête pas quelqu'un. Nos fonds sont au plus bas. Ah! Merde! C'est vrai que c'est des petits détails que je ne regarde jamais et qui seraient peut-être intéressants, en fait. Ok, on a une nouvelle maladie découverte. Promotion du personnel. Je veux bien te promouvoir, mais... Je sais pas si niveau argent, je peux me le permettre. Alors, projet de recherche terminé. Bravo, nous avons terminé le projet de recherche. Cette découverte peut être utilisée dans toute l'organisation. Lorsqu'un projet est terminé, les chercheurs iront s'occuper ailleurs, à moins que vous relanciez un autre projet au fil de l'accumulation des découvertes d'une voyage vers de nouvelles parties de la région. Nos têtes pensantes proposeront de nouveaux domaines de recherche. Gardez les yeux ouverts pour l'arrivée de nouveaux projets. Ok. Alors, on peut lancer ça. Ça coûte que 1000. Ah, on peut aussi lancer plein de trucs. Bah écoutez, on pourrait très bien lancer ce genre de choses, hein. Autant lancer ça, allez. Alors profit, c'est limite, mais ça passe. Au secours, tac tac tac, salle commune. Alors, oh, j'ai pas assez d'argent. Est-ce qu'on peut faire un emprunt? On n'avait pas encore fait d'emprunt, on peut en faire un. Alors, 50 000, on va devoir payer 2 000. 10%, c'est beaucoup. 5%, on va prendre 5%. Ça nous fait 50 000, ça nous permettra de faire une salle commune. Et notre nouvelle salle de psychiatrie aussi. Alors, on va faire... Ouais, non, je vais laisser comme ça. On va faire... Écoutez, je vais faire comme ça. On va tester si ça passe ou pas. On va essayer de maximiser hein, vraiment à fond la zone. Voilà, déjà 3, ce serait peut-être bien. Et ici, il faut qu'il y ait un poste d'infirmier. Embaucher infirmier. Voilà. On le met ici. Parfait. Alors la formation ici, elle avance petit à petit. On va faire une petite... Tu vas faire la salle de psychiatrie, hein, comme ça, c'est fait. Voilà. Alors, tac. Voilà. On fait vite fait, hein. Je vous avoue que... Alors, attendez, qu'est-ce qu'ils disent? Stop. Un patient a cessé d'attendre son passage. Ouais, bureau de généraliste. Et quitte l'hôpital, quoi? Bureau de généraliste, à ce point-là? C'est-à-dire qu'on devrait... Attendez, il y en a combien qui attendent, là? Ah ouais, ok, bah désolé, on va devoir encore en faire une, alors. Hein. Bureau de généraliste, on va s'en faire un. 4, 3, voilà. Une petite porte. Tac, un classeur. Ok, on embauche un docteur. Et on le met là, et c'est parti. Vous avez vu la rapidité de création de ça, le voit. Annonce spéciale. Réussir cette patient, récompense moins 5, parce qu'on n'a pas réussi. Aïe. Alors, je peux pas former, c'est qui? C'est Mandy Corruption. D'accord. Pas encore. Ok, alors, j'espère que rapidement on va pouvoir... Je vais promouvoir pour le moment, on va voir ce que ça a donné. Alors, le confort thermique, ça se passe pas très bien. Mais ça devrait aller bientôt, parce que comme ça va être des zones assez... acceptables, on va dire, et fortement réduites, on peut... Ajouter comme ça, voilà. On peut en ajouter une ici. Un ici. Voilà, c'est pas trop compliqué, hein. Finalement. Voilà, je vais mettre comme ça. On va voir ce que ça va donner. Ok, alors qu'est-ce qu'il a à me dire, lui?
Il m'a envoyé un mail, c'est ça? Défi confort thermique. Ok. Parfait. Ok, donc ça avance petit à petit. Le ministre est arrivé. Ok, allez. Il est arrivé par... par avion ou pas? Guérissez un patient de chromothérapie. Alors, ça se fait où? Assignez vos meilleurs employés à la salle de traitement. Salle de traitement? Ah ouais, ok, on a carrément une salle pour ça, quoi. Alors, je suis désolé, on va devoir faire comme ça. On va le vendre. Et il faut quoi ici? C'est un médecin, un infirmier. Embaucher infirmier. C'est parti. Ok, le psychiatre est là, donc c'est une bonne nouvelle. Allez, ça se passe bien. Est-ce que niveau argent, comment ça se passe niveau argent? Demande de formation. Allez, on va le former immédiatement. Je vais laisser un formateur. Attendez, quoi? Bah, apparemment, je peux demander à mon agent de maintenance. C'est une bonne nouvelle. Parti. On va lancer ça. Super. Alors j'espère que notre ministre de la Santé va apprécier quand même nos zones. Ah, et ça a pas marché. Mince. Dommage. Ça ne peut pas toujours marcher. Alors il faut une clinique super luxe pour le traiter. Faire attendre le patient. Alors, on peut acheter une nouvelle zone. 30 000. Pourquoi j'avais vu 5 000 moi au début? Ok, bon, on va prendre ici. Qu'est-ce qu'il a? Il se sent pas bien. Mais content de sa paye. Alors, on va changer un peu. Promotion du personnel, on va le promouvoir. Ok, la zone est faite. On va pouvoir faire notre super luxe. On va faire du 3 sur 3 hein, maintenant, si on peut. Autant en profiter. Voilà, et il faut qui ici? Il faut un docteur. Alors si on fait 3-3, on peut peut-être encore en faire un truc ici. On va vraiment essayer d'optimiser à fond, pour pas perdre trop d'argent. Tac. Voilà, on peut lancer. Et on peut mettre un élément banc ici. Alors on peut l'améliorer, on va pas encore l'améliorer parce que on a besoin d'aider les gens. On va devoir guérir une personne qui peut être ici. Infirmier nécessaire. J'ai pas d'infirmier. Je croyais que j'avais mis un infirmier. D'accord. Ben voilà, on a mis un infirmier. Bon, tac, tac. Alors, demande de formation, formation immédiate. Promouvoir, oui. Alors, on peut... Alors... On pourrait peut-être faire traitement augmenté avec un formateur. On pourrait peut-être en prendre d'autres. Non, on va le faire lui, comme ça, c'est fait. Défi du personnel, posséder une salle de repos au niveau 4. Comme par hasard, il me propose ça.
Ça a l'air d'augmenter plutôt bien, la télé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va abuser et on va juste en mettre plein. Histoire de réussir le truc. Voilà. Alors, il y a beaucoup trop de monde, hein. Ici, c'est le bureau de généraliste. Il faut que j'en fasse encore un, je crois. Ok. Alors, demande de formation, je ne peux pas. Tarkin Foxfield nous a envoyé. C'est avec tristesse que je vous annonce le niveau totalement standard de votre hôpital. Mon intégrité professionnelle vous implore de vous améliorer. What? Sérieux? Ok. Bravo, vous avez satisfait la requête de Jock. Ok. Alors, on doit faire encore. On va encore faire un bureau hein, de généraliste. C'est fou ça quand même. 3 sur 3, c'est parfait ça. Hop, hop. Voilà. Nos fonds sont plus bas, je sais. Mais bon. Voilà, voilà. On va lancer tout ça. On va mettre juste encore un petit banc. Merde. What? Il est disparu ou... Ok. D'accord. Pas chercher à comprendre. Ah merde, attendez. Est-ce que vous croyez que je dois en former un d'infirmier pour ça? C'est possible que je dois en former un. Attendez, est-ce que... J'ai des infirmiers qui ne savent pas quoi faire. Charge du travail. Je sais pas. On va attendre que lui ici soit fini, comme ça c'est fait. Promotion du personnel, je vais le promouvoir. Alors niveau argent par contre j'ai un peu peur. Dépenses, revenus, ok. Ok, ok, ça va. Alors, formation... peut-être qu'on devrait former. Alors, est-ce qu'on peut former... Attendez. Guérissez un patient. La salle de traitement, ils ont besoin. Pour augmenter vos chances de guérir un patient, signez vos meilleurs employés à la salle de traitement, améliorer la machine si vous le pouvez. On peut pas l'améliorer, non. Mais c'est comme ça, c'est quand même ça la salle de traitement. Infirmier nécessaire. Alors, personnel. Attraper, et je vais le mettre ici. Travail en chromothérapie, d'accord. Sentiment trop froid. Oui, oui, ok. Je vais te mettre du chauffage, comme ça, tu seras content. Même chose ici, hein. On va rajouter le chauffage. Et le chauffage. Ok, alors, remise. On va tout passer, hein. Meilleur hôpital pédagogique, employeur de l'année et étoile montante. Écoutez, c'est pas mal déjà. Alors, chromothérapie, ok. Donc on en a un là et pharmacie. Ok, 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 ok. Mais quand il meurt là, à l'agonie, échec du traitement. Mais je veux bien qu'on l'aide. Ok. Alors, on va améliorer, parce que pour le moment, il n'y a personne, donc autant en profiter. Ah, ici. J'espère que ça va marcher. Allez, dis-moi que ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner, hein. Yeah! On a réussi, les amis.
Super, on a une autre étoile. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Plutôt pas mal, c'est cool. À chaque fois, à chaque épisode, on termine un hôpital. Alors je fais que une étoile évidemment, mais c'est déjà ça. Bibliothèque d'encyclopédie 1 et Luxinator Super Luxe 2, 3 pardon. Ok, eh bien écoutez, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Cher directeur, votre organisation s'avère très prometteuse et par conséquent, elle a été sélectionnée pour faire partie du collectif Super Virus de Bungle. Félicitations. Nous avons fondé le collectif Super Virus dans le but de rassembler les grands génies de la région afin de régler nos plus grandes préoccupations médicales. Depuis, le Super Virus est devenu l'interface majeure sur toutes les formes de recherche et technologie. Nous vous avons donné accès au réseau Super Virus et lorsque vous serez prêt à votre côté, vous pourrez alors entrer dans l'univers incroyable de la recherche collective. Ouh, pas mal. Missing Translation Collaborative Meta Map Letter Ice and Fire. D'accord. Ok. Je vois. Je comprends. Tout est clair à présent. Ok. Eh ben écoutez, prochain épisode, on fera Tumble. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. On est de plus en plus. On parle un peu de tout et de rien. Donc n'hésitez pas. C'est cool. On crée notre petite communauté ensemble. Hein. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.